Info. Maroc News TV. Abonnez-vous, commentez et partagez l'info. L'Espagne rappelle à qui appartiennent Ceuta et Melilla, à savoir le Maroc. Lundi, l'Espagne a rappelé au Maroc que les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla appartiennent à l'Espagne, jetant le doute sur la sincérité de la réconciliation entre les deux pays. Il y a un peu plus d'un an, le 18 mars 2022, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez avait fait un revirement historique en s'alignant sur le plan marocain d'autonomie dans le conflit au Sahara occidental. En faisant cette concession, Pedro Sánchez espérait que le Maroc abandonnerait ses revendications territoriales sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Cependant, le Maroc continue de revendiquer Ceuta et Melilla, comme l'a déclaré le président de la Chambre des conseillers du Maroc, Enam Mayara. Ces déclarations ont réveillé les tensions entre le Maroc et l'Espagne, qui étaient en veilleuse depuis le ralliement de Madrid sur la position de Rabat concernant le conflit au Sahara occidental. La ministre de la Défense espagnole, Margarita Robles, a réagi rapidement en affirmant que Ceuta et Melilla sont autant espagnoles que des villes situées dans la péninsule. Cet épisode de tension relance le débat sur l'intérêt du revirement espagnol dans la question du Sahara occidental. Depuis sa décision de soutenir les thèses marocaines sur le Sahara occidental, Pedro Sánchez a subi une pression croissante. Lors d'un meeting du Parti socialiste espagnol à Segovia, des militants ont interpellé le chef du gouvernement en lui demandant de revoir sa politique sur le Sahara occidental et en l'accusant d'avoir été payé par le Maroc. La pandémie, nous hemos dado cuenta que es la ciencia en nuestro país, que es la que nos ha salvado de la pandemia. Y por cierto, acabo de escuchar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León decirle a los jóvenes, que se replanteen si el CO2 es contaminante o no. No, escuchadme una cosa. No es así. ¿Podemos continuar nosotros? Ya habéis hablado, ¿podemos hablar? ¿El resto? No, en fin. Muy bien. Muy bien. Esta es la gran diferencia. Nosotros no insultamos a nadie. Mirad, nosotros no insultamos a nadie. Compañeros y compañeras, nosotros no insultamos a nadie. Defendemos nuestras posiciones con respeto y con educación. Eso es lo que hacemos. Gracias, compañero. Gracias. Seguimos. Cette décision a également coûté cher aux entreprises espagnoles qui commerçaient avec l'Algérie, qui a suspendu le traité d'amitié et le commerce avec l'Espagne en réaction à cette position de Madrid. Malgré tout, Pedro Sánchez n'a pas atteint tous ses objectifs politiques avec le Maroc, qui continue de revendiquer Ceuta et Melilla. Info. Maroc News TV. Abonnez-vous, commentez et partagez l'info.